Chers amis, bonsoir. À vous, grâce et paix de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Seigneur. Je bénis le Seigneur qui me conseille. Même la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite. Je suis inébranlable. Je vous remercie de votre présence, pour votre écoute et participation à cette prière du soir. Nous sommes en présence de notre Dieu. D'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte. Par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire, nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur, nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit-Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Ensemble, nous allons dire le cantique « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons écouter la parole de Dieu. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 118. Louez l'Éternel quand il est bon, quand sa miséricorde Dieu a toujours. Qu'Israël dise que sa miséricorde Dieu a toujours. Que la maison d'Aaron dise quand sa miséricorde Dieu a toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent « Quand sa miséricorde, Dieu a toujours. » Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes? L'Éternel est mon secours, je réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent, m'enveloppent. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnent comme des abeilles. Elle s'éteint comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les temps de juste. Les droits de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a satié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvre-moi la porte de la justice, j'entrerai. Je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est pour elle contre les justes. Je te louerai,
parce que tu m'as exaucé, parce que tu m'as sauvé. La pierre qu'on rejette, ce qui bâtissait, est devenue la principale de l'homme. C'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée de l'Éternel a fait, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la postérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu, il nous éclaire. Attachez la victime avec le délien. Amenez-la jusqu'au corne de l'autel. Tu es mon Dieu et je te louerai. Mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel car il est bon. Sa miséricorde à toujours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Nous écoutons la première lecture tirée du 1 Samuel, chapitre 4, à partir du premier verset. La parole de l'Éternel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près des Ben Ezer. Et les Philistins étaient campés à Afkek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent: « Pourquoi Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'Arche de l'Alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. » Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'Arche de l'Alliance de l'Éternel des armées, qui siège entre les chérubins. Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'Arche de l'Alliance de l'Éternel. Lorsque l'Arche de l'Alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'ange de l'Éternel était arrivé au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le champ. Malheur à nous, dirent-ils. Quand il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent, malheur à nous. Qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux. Comme ils vous ont été asservis, soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'ange de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Un homme de Benjamin accourut du champ de bataille et vint à Silo le même jour, les vêtements déchirés et la tête couverte de terre. Lorsqu'il arriva, Élie était dans la tente, assis sur un siège près du chemin, quand son cœur était inquiet pour l'ange de Dieu. À son entrée dans la ville, cet homme donna la nouvelle et toute la ville poussa des cris. Élie,
entendant ces cris, dit : Que signifie ce tumulte ? Et aussitôt, l'homme vint apporter la nouvelle à Élie. Or, Élie était âgé de 98 ans. Il avait les yeux fixés et ne pouvait plus voir. L'homme dit à Élie : J'arrive du champ de bataille, et c'est du champ de bataille que je me suis enfui aujourd'hui. Élie dit : Que s'est-il passé, mon fils ? Celui qui apportait la nouvelle dit en réponse : Israël a fui devant les Philistins, et le peuple a éprouvé une grande défaite, et même tes deux fils, Ophné et Phiné, sont morts. Et l'ange de Dieu a été prise. À peine eut-il fait mention de l'ange de Dieu, qu'Élie tomba de son chaise et la renverse à côté de la porte. Il se rompit la nuque et mourut, car c'était un homme vieux et pesant. Il avait été jugé en Israël pendant 40 ans. Sa belle-fille, femme de Phiné, était enceinte sur le point d'accoucher. Lorsqu'elle entendit la nouvelle de la prise de l'ange de Dieu, de la mort de son beau-père et de celle de son mari, elle se courba et accoucha. Quand les douleurs la surprirent, comme elle allait mourir, les femmes qui étaient auprès d'elle lui dirent : Ne crains point, car tu as été enfantée un fils. Mais elle ne répondit pas et n'y fit pas attention. Elle appela l'enfant Ichabod en disant : La gloire est bannie d'Israël. C'était à cause de la prise de l'ange de Dieu et à cause de son beau-père et de son mari. Elle dit : La gloire est bannie d'Israël quand l'ange de Dieu est prise. Parole du Seigneur. Gloire et grâce à Dieu. Avec toi
la confiance, aimer et se savoir aimer. Ouvrir quand tu frappes à ma porte, briser les verrous de la peur, savoir tout ce que tu m'apportes, rester et devenir meilleur. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir avec toi la confiance, aimer et se savoir aimer. Lecture de l'Évangile de Luc, chapitre 20. À partir du 27e verset. Les Pharisiens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme sans avoir d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait sept frères. Le premier se maria et mourut sans enfant. Le second et le troisième épousèrent la veuve. Il en fut de même des sept qui moururent sans laisser d'enfants. Enfin, la femme mourut aussi, à la résurrection. Duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les sept l'ont eue pour femme. Jésus leur répondit, « Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts, ne prendront ni femme, ni mari, car ils ne pourront plus mourir, parce qu'ils seront semblables aux anges, et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Que les morts ressuscitent, c'est ce que Moïse a fait connaître, quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants, car pour lui, tous sont vivants. Quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent « Maître, tu as bien parlé. » Et ils n'osaient plus lui faire aucune question. Ici se termine la leçon du Nouveau Testament. Ici se termine la leçon. Frères et sœurs, pour notre méditation de ce soir, j'aimerais prendre le texte de l'Ancien Testament, 1 Samuel, chapitre 4. Mais j'aimerais, pour commencer, retourner vers chapitre 3. Chapitre 3, dans le troisième chapitre du premier livre de Samuel, nous sommes témoins d'une leçon émouvante, une leçon qui résonne dans les profondeurs de notre être. C'est l'histoire du jeune garçon Samuel qui servit le Seigneur dans le temple et après un écoute attentif de la voix de Dieu et de la disposition à répondre à son appel, Samuel est prêt à lever à chaque fois qu'il y entend son nom quand il est appelé. Même s'il n'est pas typé, comprend encore qui c'est là qui tu peux appeler. Cette histoire-là rappelle-nous l'importance d'ouvrir notre cœur et nous l'esprit pour entendre la voix de Dieu dans la vie. Parfois, nous sommes capables d'être distraits par le bruit et la voix du monde qui entoure nous. Mais si nous sommes vraiment concentrés et nous prêtons attention, nous sommes capables d'entendre la voix de Dieu qui appelle nous vers une destinée beaucoup plus grande. La leçon
de ce troisième chapitre du premier livre de Samuel enseigne-nous qu'en écoutant attentivement et en étant disposé à répondre, nous capables de trouver nos chemins vers une vie pleine de sens et de responsabilité, guidés par la voix divine qui appelle nous avec amour et sagesse. Cependant, dans ce même chapitre de 1 Samuel, nous sommes confrontés à une tournure de choses qui apporte une dimension de tristesse et de jugement. L'Éternel qui parle à Samuel et révèle un destin sombre pour la famille de Élie. Bon Dieu dit déclarer qu'une punition terrible attend Élie et son descendance en raison de cette mauvaise conduite. Son des garçons fins rendent eux même méprisables et Élie n'a pas fin capable de résoudre. Et l'Éternel lui jurait que le crime de la maison de Élie ne sera jamais expié, ni par bon sacrifice, ni par bonne offrande. Sa déclaration-là lui montrait la gravité des actions commises et la rigueur du jugement de Dieu. C'est une scène déchirante qui met en évidence les bonnes conséquences tragiques de la négligence et de la désobéissance. Dans le quatrième chapitre du premier livre de Samuel qui nous fait entendre, nous sommes confrontés à une situation puissante et bouleversante. L'histoire raconte le triste événement de bonnes pertes nombreuses et bonne quantité de morts du côté des Israélites. Et le plus tragique encore, la capture de l'arche de l'Alliance d'Israël par bon Philistin. Pour commencer, qu'est-ce que l'arche de l'Alliance? L'arche de l'Alliance, c'était un coffre en bois précieux qui était fabriqué selon bonne instruction divine. Coffre-là était recouvert de l'or pur, symbole de la pureté et de la sainteté de Dieu. Pour les Israélites, l'arche-là est le symbole de l'alliance entre l'Éternel et son peuple. À l'intérieur de l'arche, tiennent un précieux commandement que Dieu finit donner à son peuple pour guider toute la vie, pour guider notre relation avec bon Dieu et avec notre prochain. Mais l'arche de l'Alliance est bien plus qu'un simple objet d'admiration. L'arche aussi rappelle le peuple de la présence de Dieu parmi eux. Rappelle eux de sa protection et de sa direction dans la vie. Quand l'arche de l'Alliance est avec eux, je partis sentir eux seuls. Et je suis rempli d'un sentiment de sécurité et d'espoir, sachant que les autres bon Dieu est là, puis marche à l'autre côté pour défendre les autres. Selon ce quatrième chapitre de Samuel, Maïlite, qui était en guerre contre les Philistins, fut décidé pour amener l'arche de l'Alliance dans notre camp de bataille, avec l'espoir qu'il y pourra apporter autres la victoire. Bon philistien, autres, sont déterminés et confiants dans cette bataille. Parce que autres sont pécois dans la puissance de autres bon bandits païens. Et autres n'appartiennent à aucun respect pour l'arche de l'Alliance d'Israël. Nous lisons dans ce chapitre 4, au verset 10, « Les Philistins livraient bataille, et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande, et il tomba d'Israël 30 000 d'hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise, et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. » Malheureusement, un Israélite
fin gagné défaite d'une manière désastreuse. Je fin perdu la bataille et l'arche de l'Alliance fin être capturé par un philistin, et la famille d'Élie fin gagné détruite. L'Éternel Poutine pourtant annonçait à Samuel et révèle ce sombre destin pour la maison d'Élie. Dieu te fin déclarer qu'une punition terrible a pu attendre Élie et sa descendance en raison de cette mauvaise conduite. Parce que ces deux enfants d'Élie, cette fin méprise bon Dieu. La leçon qui nous tirait dans cette histoire, c'est de rechercher une relation véritable et profonde avec bon Dieu. Ben Israélite, je finis être coupable de traiter l'arche comme une sorte de fétiche, comme une idole, espérant que son simple présence pour garantir autre la victoire. Mais bon Dieu n'a pas capable d'être manipulé ou bien réduit à un objet magique. Bon Dieu l'envie une relation sincère et une confiance authentique de nos parts. Ben Israélite, je te fin désobéir bon Dieu et je te fin abandonne son chemin, ce qui fin conduit à cette défaite et à la perte de l'arche sacrée. Ces histoires-là les rappellent-nous que quand nous marchons dans la désobéissance, nous-mêmes nous compromettons la présence de Dieu. Il est important donc de cultiver une véritable relation avec bon Dieu, basée sur la confiance et l'obéissance. Nous devons éviter que nous appuyions simplement le bon symbole religieux vide de sens, et nous concentrer plutôt sur une recherche sincère de la présence et de la volonté de Dieu dans nos vies. C'est seulement une relation profonde et authentique avec bon Dieu capable d'apporter la victoire et la bénédiction qui nous tend chercher. Ben Israélite, fin pose même cette question. Pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Nous aussi nous pose bonne question de ce genre quand la vie blesse nous. Peut-être que dans notre quête de réussir, nous finissons oublier l'essentiel. Peut-être nous finissons mettre nos confiances dans le bon symbole et le bon rituel, oubliant que nous besoin c'est une relation vivante avec nos bon Dieu. Peut-être que nous finissons négliger pour suivre nos bon Dieu fidèlement. Que sa réflexion-là lui servit de rappel à nous réaligner sur la volonté de Dieu, à nous chercher sur la face avec ferveur et à nous marcher dans la lumière. C'est là que nous sommes capables de trouver la force, la victoire et la bénédiction. Le nous la vie, le nous bon projet, le nous famille, le nous bonne descendance. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous disons ensemble, maintenant au Maître souverain. Maintenant au Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Nous prenons la série d'invocations B. Demandons au Seigneur que ce soit tout entier, soit parfait, saint, paisible et sans péché. Ensemble, nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans la voie de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur, que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous tes saints. Nous confions les uns les autres au Christ et lui offrons toute notre vie. Nous te supplions, Seigneur. Prions le Seigneur. Tu nous as appris, Seigneur, qu'en t'aimant et en aimant notre prochain, nous gardons tous tes commandements. Donne-nous la grâce de ton Saint-Esprit pour que nous nous consacrions à toi de tout notre cœur et d'une affection sincère, qu'une affection sincère nous unisse. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit. Un seul Dieu dans les siècles des siècles. Amen. Prions et demandons la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Nous prions pour la présence du Christ avec nous. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Te le demandons dans ta tendresse. Amen. L'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie. En nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours, nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous concluons ce temps de prière en disant la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque deux ou trois se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux selon ce qui nous est utile. Et donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen.
Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Merci d'écouter et de participer à cette prière. Je prie pour que Dieu vous bénisse et vous garde dans son cœur. Merci à Mesdames Luisa et Christina pour le psaume et la première lecture. Je vous souhaite une bonne soirée. Je découvre la joie de te chanter.